La Nouvelle-Calédonie n'est pas qu'un magnifique archipel français du Pacifique Sud. Quand au XIXe siècle, les grandes puissances européennes se partagent le monde, les Kanaks, qui peuplent l'archipel depuis près de 3000 ans, sont brutalement colonisés. Leurs terres sont confisquées au profit de colons français, leurs révoltes brutalement réprimées. Devenus citoyens français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Kanaks revendiquent rapidement leur indépendance, tandis que les Français installés depuis plusieurs générations clament leur attachement irréductible à la métropole. En mai 1988, après de sanglantes confrontations, les leaders de ces deux communautés échangent une poignée de main qui scelle le retour à la paix. 10 ans plus tard, en signant l'accord de Nouméa, la France s'engage dans un processus de décolonisation pacifique inédit. Le référendum du 4 novembre 2018, pour ou contre l'indépendance, ne résoudra pas toutes les questions qui se posent aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie. Pour raconter cette longue histoire, nous avons fait appel à des témoins très impliqués dans la vie sociale, économique et intellectuelle de leur pays.